Coucou tout le monde, c'est Marshmallow FS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va déballer ensemble les cases numéro 10 des calendriers de l'Avent Playmobil et Pet Shop. Sur ce, je ne vais pas plus parler et on commence tout de suite. Donc on va chercher le sachet numéro 10 sous le sapin ou dans le sapin, je sais pas encore. 19, 14, 20... Et je l'ai trouvé, il est juste ici. Hop, donc on le prend. J'ai failli faire tomber le sachet 20. Bon, ça y est, j'ai monté le sachet numéro 10 dans ma chambre. Et on va tout de suite commencer par le calendrier de l'Avent Playmobil. Et la case numéro 10, elle est juste ici. Donc déjà c'est une petite case et en plus on a monté le décor, donc c'est cool, c'est une petite journée de chill. Donc on a la couronne et je pense que ça va dans le socle qu'on a eu hier. On déballe ça. Je pense que ça va au-dessus, j'ai pas la notice sous la main, mais je pense que ça va là. Voilà, comme ça après il y a la tête des Playmobil en dessous, donc ouais c'est comme ça. Donc attendez, on va prendre ce qu'on a eu hier et donc techniquement on met la couronne ici et... on met ça comme ça, voilà. Ah, c'est vraiment bien. Et par rapport à LPS, voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et sur un Pet Shop, ça donne ça. Donc ça ira pas forcément à tous les Pet Shops, mais à la plupart qui ont des oreilles comme ça, ça passe largement. Ou débassé, genre par exemple, on pose au milieu de leur tête. Bon là du coup, le chat il a des oreilles, donc ça passera pas, mais bref, vous m'avez comprise. Et donc du coup, le sachet numéro 10, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Oh, trop mignon. Oh, il y a encore autre chose. Alors en accessoire, j'ai du pain de mie, un peu en sandwich. Ce petit fauteuil, un peu royal et tout, c'est trop trop bien. Ça matche un peu avec la couronne qu'on a eu aujourd'hui, tiens. Et ce magnifique lapin, il est superbe celui-là. Oh lololo, incroyable, je l'aime beaucoup trop. Lui, il était pas sur ma wishlist, mais je le voulais énormément quand même. Il est trop trop beau, je l'adore celui-là. Il va peut-être même aller dans mes vitrines, je sais pas encore, mais magnifique, j'aime trop ses couleurs en plus. Il a une très bonne vibe. Donc bah, voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce qu'on a eu aujourd'hui. Et bien sur ce, je vous laisse, je vous dis à demain pour les cases numéro 11 et bisous tout le monde.